Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve sur le 161e épisode de notre Let's Play sur Zelda Tears of the Kingdom. Et donc du coup, nous allons chercher les derniers sanctuaires qu'il nous manque. Il en reste 5 du coup. Les deux que l'on avait détectés, donc celui dans le ciel et celui sur terre. Et puis pour finir, les trois de la forêt Korogu qui seront les derniers que nous ferons pour en finir avec ce sanctuaire. Par la suite, nous nous préparerons et n'allons pas tarder à défier Ganondorf une bonne fois pour toutes, le roi des démons, dans son abîme, dans son antre, sous le château d'Hyrule, où le combat sera difficile, très dur. Il faut s'y attendre malgré la préparation que je vais donner. Mais on va tout donner évidemment pour remporter la victoire. Mais on n'y est pas encore. On va faire les choses pas à pas. On continue de prendre notre temps sur le jeu, ça sert à rien de rusher pour rien. La preuve en est du nombre d'épisodes, hein, quand même. 161, c'est quand même pas rien. C'est mon let's play le plus long que j'ai fait de ma carrière. Je pourrais pas que je m'adonne autant, hein, j'avoue. Plus que Breath of the Wild. Donc on l'avait détecté hein, dans les environs. Et on va donc tomber sur cette grotte. Grottesse du lac Bezos. J'ai failli dire Écosse. Hein. Let's go. Ah. Ah, ça va faire repop les machins. Ça va les faire repop. Hein. Ah bah oui. Bah ça non, parce que je l'avais pas encore tué. Ah, la mine de sang, elle apparaît beaucoup plus fréquemment dans le jeu. Hein. Peut-être pour donner plus de facilité à farm les trucs, je sais pas. On va pas passer 3 heures là-dessus. Hein. Alors... Ah. Ah.
Pas de caverne. Non. C'est dans les parages, hein, c'est sûr. C'est dans une autre partie de la caverne, je sais pas. Ah bah voilà. Oh. Bon, il va falloir le réaffronter. Toutes mes armes qui se brisent les unes après les autres, hein, putain. On va prendre celle-ci. On lui donne des PC, putain. S'il te plaît, on lui donne des PC, c'est vénère. Ok, bon, il est mort, lui. Alors, pour l'instant, on a plein de petites armes de dépannage, éventuellement. Et lui, on va le tuer. Mes armes qui se brisent. Il va falloir vraiment faire un autre plein. Alors, je vais faire une petite arme de dépannage ici. Ça. Bah ça, ça me servira plus à grand chose après. Mais... Alors, du coup. On va faire appel à notre ami, comme d'habitude. Ce genre de matelas que qui s'est défoncé de rien pour ça. Oh. Ah oui, ça me paraît évident là. Hein. Oh. Yeah. Perdre notre temps à affronter ces trucs là. Voilà. Eh ben dis donc. Maui Kezoa. Alors qu'est-ce que c'est comme sanctuaire? Un petit sanctuaire d'énigmes pour finir, allez. C'est... Après il y a ceux de la forêt Korogu. Non, c'est une mais de la forêt Korogu. On aura peut-être l'orénine. C'était des bénédictions dans Breath of the Wild. Je sais pas. Un diamant brut, ça que bon. Peu importe. Bon, on en est, je trouve. Ok, il est validé ce sanctuaire. Plus que 4 du coup. Celui du ciel et les 3 de la forêt Korogu, comme vous savez. Ah, il faut pas oublier le bouclier d'Ilia. Ah oui, faudra le... faudra le récupérer, bah oui, et par ma faute, ça. Hein. Bon, on n'y est pas. Alors, le sanctuaire qui était dans le ciel, il est où? C'est le rouge, d'accord. Alors, comment est-ce que je peux essayer de l'atteindre? Est-ce que je peux l'atteindre de là? On va voir. Ce serait ici. Non. C'est pas ici.
Alors là, pour le trouver, celui-là, bon courage. Est-ce que ce serait la cascade qui est là? Non. Bon, celui-là, pour l'attraper, ça va être costaud. Hein. On va essayer de l'avoir de là. Enfin, on va essayer de voir où est-ce que l'île se situe en termes de hauteur. On va réussir à se poser sur lui. On a réussi pour tous les autres, il n'y a pas de raison qu'on réussisse pas pour celui-là, clairement. Alors là, à celui-là, oh ça va être compliqué, hein. Sais pas du tout de. Sais pas si la tour changera quelque chose. Hein. Putain. C'est situé en cette tour, hein? Sérieusement? Voilà. Celui-là, il va être chiant à trouver, hein. Pour tomber là-dessus, il va falloir être bien dégourdi, hein. Non, mais c'est pas ça du tout, hein. Non, c'est forcément ce machin, hein. Putain. Alors là, si on, mais par rapport à la tour de Rabel, ça paraît logique. Hein. Il y a la tour de la plaine de Saas là, qui nous rapproche un petit peu. On va voir, on va essayer une tour puis l'autre. Ah, pour le coup, celui-là est bien positionné. Lol. Donc après, il va falloir essayer d'atteindre les trois de la forêt Korogu, hein. Alors là, ceux-là, c'est les pires. C'est pour ça que je les ai vraiment gardés à la fin. Hein. J'avais tenté d'en trouver un. Enfin, pas la peine, je pense qu'il y a une petite tactique pour les choper, les trois. Alors. Faut juste visualiser où. Quelle île? Putain, mais je la vois pas. C'est terrible. C'est sûr que c'est ça là-haut. Oh, putain. Bah, va falloir trouver quelque chose pour grimper. C'est comment tu veux l'atteindre ce machin là-haut? Oh là. Ouais, c'est ce qu'il y a là-haut, hein. Y a rien qui ne puis dans le duplicata, attends. Merde. Ah, il y a une montgolfière. La montgolfière, elle peut peut-être m'aider.
Au point où j'en suis, clairement. Alors, il va falloir foutre un feu là-dedans. Ah putain. Va falloir créer un feu dedans. J'ai pas le choix. On va essayer de le positionner là. Ah! Vraiment que je sache ce que c'est. Ah, c'est ça? Ce serait la cascade là-bas? Essaie de monter un maximum. Ah oui, oh putain. Oh, ah, celui-là. Ah oui, c'est le machin qui est là-haut. Oui, oui, parce qu'on voit la, vous voyez, on voit la forme des tours, enfin des tours. Des promontoires en pierre là. Bon, ma seule astuce c'est d'aller vers cette cascade. J'ai pas d'autre solution. Oh putain, celui-là c'est le pire. Hein. Il est vraiment positionné à un endroit chiant. Après, c'est vrai qu'on les fait dans l'ordre qu'on veut, donc j'aurais pu tomber sur celui-là au début comme à la fin. Justement, ça m'a peut-être pas motivé. Ça m'a peut-être pas motivé. Alors, par contre, du coup, hop. Et sinon, je vais prendre des plombes. Ça va être super, super juste. Dis-moi que là, que je saute mieux. Peut-être que ça peut m'aider. Allez, allez, allez. Ah putain. Allez, 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 allez. Please, 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 please. Ah! Oh non! J'arrive pas à grimper de me sortir de l'eau. C'est bon, c'est bon. Alors celui-là, mais si. C'est là pour être champion. Hein. Oh putain. Alors, on a peut-être une visibilité d'une autre tour. Est-ce que cette tour-là m'aiderait plus que l'autre? Aïe aïe aïe, celui-là, il est tenace.
Alors. Ah! Oh bah tiens. Alors celui-là, j'y arrive un peu mieux. Voilà, j'ai pas d'autre solution. Oh putain. Alors là, je peux accéder à cette île, mais c'est pas dit que j'accède à la grosse là-haut. Oh putain, mais celle-là. Oh, on dirait tellement le château de Bowser. Ça vous fait pas penser à... Pour ceux qui ont pensé à la même chose que moi. Ah, ça fait tellement penser au château de Bowser dans de cette tête-là. Franchement. Il n'y a rien qui puisse permettre d'y aller. Hein. Oh, mais... Alors là, j'en ai aucune idée. Hein. J'ai aucun véhicule. Même si je prends une montgolfière, ça changera rien. J'ai tenté de prendre un avion. Si ça changera quelque chose. Oh la vache. Ah, il y a un historique de ce que j'ai foutu. Oh, c'est vrai? Ah, je savais pas qu'il y avait cette option. Allez. Je vais essayer de... C'est toujours le bazar dans mon inventaire, putain. À moins qu'il y ait un... Il n'y a rien pour faire infiltration en dessous, en plus. Je peux peut-être essayer de faire infiltration en passant en dessous. Oh, il y a une chute. Sérieux? Il y a une cascade, j'ai l'impression. Enfin, c'est peut-être le truc d'en face, hein. Se méfier. Oh, je me suis sauvé la vie. Oui et non. Quoi que si. Qu'est-ce que c'est que cet édifice? Oh. Alors celui-là, j'avoue. Donc le sanctuaire est là-dedans. On dirait la tour de réponse dans le ciel. Oh putain. Ah bah t'aurais dû descendre tes putains de chevaux à la con qui servent à rien pour me faire monter. Hein. T'as dit. Oh la vache. Ah oh non. J'ai tellement crié, tellement ça m'a saoulé. On a réussi. Miracle. C'est bon. On y arrive toujours. Après toute notre aventure, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Tu te fous de ma gueule? C'est quoi ça? Ah, oh, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va s'ouvrir là. Ouais. Regardez le bordel en bas. Alors, frites clarté, d'accord. Je sens mal.
Je le sens tellement mal. Alors attends. Alors. Ça, c'est un petit korogu. Bah, je les cherche pas, les korogu, parce que regardez à quel endroit ils l'ont foutu, celui-là. Hein. Clairement, s'ils sont tous fourrés à des endroits comme ça, le mec, à la fois de faire ça, il se fait chier dans sa vie, hein, clairement. C'est clairement le business. Ah, je sais pas du tout ce qu'il faut faire, par contre. Hein. Faut m'expliquer l'idée. Je pense qu'il y a quelque chose à activer, mais je sais pas où ça se trouve. Attends, on va observer les alentours. Maintenant qu'on est dessus, j'ai envie de te dire... Hop, ça on va prendre. J'ai pas envie de tomber, hein, clairement. Qu'est-ce que c'est, pure puissance? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah voilà. Je m'attends au pire, mais bon. On est parti. Alors, on a des machins. Donc en gros... Alors l'idée c'est... Île de la raffinerie de Sonium, d'accord. C'est... Bah au moins ça me fait remonter plus vite. Et c'est parti. Alors, on n'est pas fini. Ah. Hop. Le dernier sanctuaire avant de faire le coup.
Oh, c'est ça comme sanctuaire, d'accord. Combat des armées, apesanteur. Ah, je crois savoir ce que ça veut dire, apesanteur. Il en reste un. Il est là. Voilà, c'est réussi.
Et donc voici la lueur venir se rendre tant mérité. Il nous reste les trois sanctuaires de la forêt Korogu pour en finir avec ces sanctuaires une bonne fois pour toutes. Que vont nous réserver ces sanctuaires? Encore faut-il les atteindre aussi. Mais on verra ça pour la prochaine vidéo du coup consacrée à ces trois sanctuaires, ces trois derniers. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve.